Bonsoir madame, ici merci pour l'attention. Nous avons une petite Mauritius Revenue Authority fin décaisse plus de 5 millions de roupies au cours de l'année financière écoulée en guise soutien financier, annonce Premier ministre qui t'y peut assister à une passing out ceremony 68 stagiaires douaniers à Zondi. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauthic, ce délégation de haut niveau, fin commence une visite officielle dans Rodrigue, une visite organisée en mars, ban célébration, ban 21 ans, autonomie Rodrigue. Gratuité préscolaire peut rentrer en vigueur en janvier l'année prochaine et déjà 625 établissements préscolaires inscrits au programme Grant in Aid Scheme qui représente 80% des Saban l'école là. Un premier groupe pèlerin en déplacement pour l'Umra qui est bloqué dans Bethléem fin prend avion début d'après-midi aujourd'hui pour aller dans Istanbul. Délégation pèlerin menée par Père Jérôme Mongelor pour bien rentrer dans le pays Zédi. Déo, au moins 27 morts dans un éboulement dans Yaoundé, capitale dans Cameroun. Merci pour l'attention. Mauritius Revenue Authority fin décaisse plus de 5 millions de roupies au cours l'année financière écoulée en guise soutien financier pour utiliser sa logement là pour payer ban allocation CSG, la prime à l'emploi et negative income tax. C'est ban information qui fin fournie par Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth grand matin dans plein magnon. L'ITP assisté à une passing out ceremony 68 stagiaires douaniers. Premier ministre fin réitère détermination gouvernement dans la lutte contre trafic la drogue. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin souligne rôle important qui MOA et Napoissi à protection des nouvelles frontières. Chef gouvernement fin aussi annonce un projet guise unique intégré en matière facilitation ban l'essence commerciale. Reportage. Une tradition renouvelée par Saban officier la douane là pour accueillir Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dans le chalon plein maillon à Zodi grand matin. Chef gouvernement fin assisté à passing out ceremony de 68 douaniers stagiaires. La formation c'était bien intense, comme on connaît, un travail bien, bien noble. Et nous avons beaucoup d'intégrité dedans. Moi, j'espérais qu'il nous a à la hauteur, nous faire ce travail-là bien. Pendant un an, nous apprenons extra beaucoup et tous ces professionnels là, nous restons arrivés là aujourd'hui. C'est un moment de bien fierté pour nous. Nous là, prêts pour servir notre country. C'est vraiment une grande fierté qui est de persévérer pour venir jusqu'à là un an que je suis. Ok, je gagne beaucoup de ressources, je suis bien armé pour ce travail et j'espérais que Maurice peut gagner un bon officier pour le pays. Pour l'occasion, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin souligne le rôle important de MRA pour assurer paiement de différents plans d'aide financiers qu'il met en place par gouvernement pour soutenir la population. For the last financial year, for example, more than 5 billion rupees were paid to some 581,000 beneficiaries of the CSG income allowance, the prime à l'emploi, and the negative income tax special allowance. The money collected was also used to provide subsidies to bakeries and to finance the salary compensation to export-oriented enterprises, SMEs, and bus operators. The MRA has also implemented revolutionary governmental measures like the independence allowance, ladies and gentlemen. Our customs services also have a very important role to play when it comes to ensuring the security and protection of the Republic. You can rest assured that government remains fully committed to pursue its fight against drug trafficking. Our battle is relentless and without mercy. CEF gouvernement fin par ailleurs annonce mise en place d'un projet de guichet unique intégré pour faciliter ban échange commercial. I'm glad to announce that government has earmarked necessary funds for an integrated single window project. This development will be yet
another leap in terms of trade facilitation, as it will revamp the existing electronic data interchange system and enable a single submission of documents for processing of permits and clearance of goods. A similar system for the port is also in the pipeline. Directeur général Emory Finley rappelle la bonne recrue au rôle crucial qu'ils ont pour appeler pour jouer. As new custom officers, en tant qu'officier de la douane, notre rôle est pour essentiel pour comment dire qu'il y a une stratégie douanière dans différents domaines, notamment ban essence, trafic la drogue qui bien fait prévention, la lutte contre contrebande, protection ban droit propriété intellectuelle, bien aussi guide la sauvegarde de la frontière territoriale et garantie l'intérêt ban consommateur. Parmi sa bande recrue-là, il y a 37 madames. The Two fin suivent une formation intense pendant un an. Sa cérémonie-là lui marque début d'une carrière remplie de défis, mais aussi de bande l'opportunité pour sa bande jeune douanier et douanière-là. En samedi 10 octobre, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et sa délégation au niveau fin commence une visite officielle dans Rodrigue. Une visite organisée en mars, ban célébration ban 21 ans d'autonomie Rodrigue. Sa visite officielle délégation mauricienne là, dirigée par chef gouvernement, témoigne l'importance que gouvernement accordé à Rodrigue et de son engagement renforce ban lien entre Rodrigue et Maurice. Nous causons l'éducation à la gratuité préscolaire qui rentre en vigueur en janvier l'année prochaine et déjà 625 établissements préscolaires fin inscrits à programme Grant in Aid Scheme qui représente 80% des sabbats de l'école là et dans certaines modalités qui fin révisées et qui fin communique tout ça là aujourd'hui pendant une session l'information qui fin fait dans Eben en sa zone là pendant sa session là vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Lila David Duncan-Nutchman, fin répond à ban question des ban errants de sa ban établissement là. Nous guette ban détail. Jusqu'à aujourd'hui, 625 d'un total des 775 établissements pour bénéficier programme Grant in Aid Scheme dans cadre gratuité du préscolaire qui pourront en vigueur à partir de janvier 2024. 18 500 enfants concernés par sa mesure là. Ban nouveau modalité et qu'à facilité de sa plan de soutien là, fin présenté à ban gérant de ban l'école préscolaire. Moi bien content cette scheme là, ça aide moi beaucoup et aussi ça aide surtout ban parents, pas tous parents qui gagnent la possibilité. Moi pas prenant ça problème pour professeur de l'argent, professeur là les pour gagner sur l'argent payé directement par le ministère. J'ai déjà informé les parents et donc les parents disent que ils sont très, très content parce que alléger un peu au niveau de finances. Ratio enseignants-enfants fina revoir désormais dans sa ban établissement là pour bizan et na un enseignant pour 15 écoliers et qu'un assistant enseignant pour 15 enfants. Nous pouvons assurer que tout ban l'école préscolaire empowered pour qu'ils soient capables de donner un accompagnement de qualité à ces jeunes enfants là. Nous fin al chez la norme internationale, ça veut dire n'importe quelle classe ayant 15 élèves prenant un professeur, un assistant teacher et il y aura dans chaque préscolaire un manager. L'État paye tous les salaires de tout le personnel de l'école. Date limite pour l'enregistrement de ban établissement préscolaire à programme Grant in Aid Scheme a fin étendue jusqu'à les 16 octobre.
Nous revenons à l'actualité avec Mme Mauricien qui est bloquée dans Bethléem, dans Israël. C'est des groupes qui sont en pèlerinage. Nous apprenons qu'il y a un premier groupe pèlerin en déplacement pour l'Umrah qui prend l'avion aujourd'hui en début d'après-midi pour aller dans Istanbul. Et dans un communiqué émis par diocèse pour lui aujourd'hui, nous retenir que la délégation pèlerin menée par Père Jérôme Mongela pour bien rentrer dans le pays en sa zédila. Depuis pèlerinage dans la Terre Sainte et retour à Maurice en passant par Istanbul, c'est tracé qui délégation pèlerin bisin effectué. Un ouf soulagement pour sa bande mauricien là qui tibisin prend l'avion dimanche 8 octobre. Dans une déclaration, Père Mongela fin indiqué qui 36 mauriciens là zut pour escorter demain en toute sécurité vers l'aéroport de Tel Aviv. Nous vais gagner l'avion demain et nous vais faire deux sauts pour sortir un peu plus tôt parce qu'il paraît-il est long laquée le la frontière que nous passer. Et donc, nous, si on arrive à l'aéroport assez tôt, et nous sommes capables d'avoir un avion pour nous rendre Maurice. Alors, il n'est pas suffisant seulement qu'il arrive à l'aéroport, mais il a tout le trajet à faire. Et nous pensons qu'il pouvait avoir une escorte, une sécurité pour nous capables de faire la route, pour nous faire en toute sécurité, et qu'il nous rende Maurice sain et sauf. Alors, je tenir à dire au nom du groupe un grand merci à toute la population mauricienne qui vient soutenir nous pour ce moment difficile que nous venons traverser. Ban pèlerin Poubizin prend avion demain à Tel Aviv à destination d'Istanbul environ midi. Et que concernant Ban 17 pèlerins qui fin accompli l'Umra, petit pèlerinage en Arabie Saoudite, Zutfin prend direction Istanbul à Boeing vol Turkish Airlines aujourd'hui. Et OMS Pérod met un couloir humanitaire pour faciliter l'acheminement bandimoun déplacement bandimoun et que Israël qui ligne et puis fournit courant et que dès le dans l'état Gaza et n'a plus que 610 000 dimoun qui pour affecter tout ça là et la guerre fin fait au moins 900 morts dans Israël et plus que 700 morts dans Palestine et 4100 blessés. Nous guette ban détail. Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer une fourniture médicale essentielle à la population. C'est ce qui fin déclare un porte-parole de l'OMS dans un briefing à l'ONU dans Genève, précisant qu'ils étaient pour parler avec différents partis. Au quatrième jour de hostilité, l'armée fin plus ou moins reprend contrôle à la frontière avec Gaza, mais l'infiltration capable encore reprend. Fin déclare un porte-parole militaire. Le Hamas fin affirmé qu'il n'est pas pour négocier concernant un otage avant la fin de sa guerre-là et qu'il fin annoncé qu'il peut exécuter un otage civil à chaque fois qu'Israël pour procéder à une frappe aérienne sans préavis lors d'un logement civil. Selon une estimation israélienne, environ 150 otages fin retenir dans la bande de Gaza. La guerre entre Hamas et Israël fin cause déplacement plus qui 187 510 dimoun dans Gaza depuis samedi, c'est ce qui fin indique Bureau coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Coupure de ban électricité et que délai pour Israël dans Gaza pour capable prive centrale électrique combustible et qu'entraîne ban pénurie de l'eau potable pour plus qui 610 000 dimoun. La Commission européenne a pas pu suspendre ce l'aide humanitaire d'urgence à ban palestinien qui habite dans la bande de Gaza et qu'en Cisjordanie occupée en réaction à l'attaque Hamas contre Israël. Dans Liban, scénario d'une extension de sa conflit-là entre Hamas et l'armée israélienne est encore présent après une confrontation qui s'est multipliée à la frontière libano-israélienne hier entre ban palestinien et Hezbollah contre ban la force israélienne. Le Liban fin abrite plus que 200 000 réfugiés palestiniens dans ban camp. La guerre dans Gaza et que dans Israël est suivie en continu et que la population exprime un soutien fort à l'attaque qui fin fait par Hamas. L'attaque des Hamas et que la réponse militaire israélienne fin fait plus que 900 morts côté israélien et qu'au moins 700 morts côté palestinien et que 4 000 sont blessés.
Nous retournons à Maurice Astella, nous pour la cause tourisme à côté de Maurice, en tête classement, 25 destinations préférées des bandes français pour les vacances d'hiver. Nous pour cause là des bandes réservations qui ont enregistré depuis le 31 août dernier et également pour la période qui 1er novembre 2023 à 30 avril 2024. L'étude là, elle est réalisée par le syndicat ban entreprise Tour Operating, CETO, qui révèle aussi que nombre des bandes touristes qui choisir Maurice pour une vacances fin augmenté par 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Bien noté que Maurice lui dévance l'Égypte et ban Canaries, ban îles Canaries et selon ban chiffre publié par Statistics Mauritius, du pays fin con en la hausse 41,2% le nombre d'arrivées touristiques depuis janvier à septembre 2023 comparé à la même période en 2022 et la France lui reste le principal morcé. Ban détail. Maurice, les destinations préférées des bandes français pour sa saison d'hiver. C'est ce qu'est l'étude réalisée par le syndicat des entreprises du Tour Operating, CETO, a pu démontrer. Sa nouvelle-là fin paraît le 8 octobre dernier, la page web CNews et chaîne française L'Information. CETO, qui regroupe environ 70 clients importants ou opérateurs à Maurice et français, fin aussi cause l'Oban excellent résultat Maurice avec une croissance 25% dans nombre de réservations voyages par rapport à dernier l'hiver. L'autre fait important, c'est que Maurice est surtout apprécié pour son accueil chaleureux, sur la mer idéale pour ban plonger et que ban la plage dit sable blanc. Fin aussi qualifié nous l'île de petit paradis l'eau la terre. Maurice est donc premier dans le classement 5 meilleures destinations. Ensuite, il y a l'Égypte. Après COVID-19, sa destination là fin connaît une augmentation plus qui 192% par rapport à saison dernière. Maroc occupe 3e place podium. C'est au rappel qu'il y a au 31 août dernier, une semaine avant tremblement des terres, qui fin tous sa pays là, dans sud-ouest Marrakech, nombre de réservations ont augmenté par un peu plus qui 65% comparé à l'année dernière. 4e dans le classement, République dominicaine fin enregistré une baisse de 22% dans le nombre touristes français, une baisse la cause finarite de ban vol Air France et Corsair. Ban îles Canaries aussi attire ban français. 5e dans le classement, sa ban îles là fin con une augmentation de plus que 70% dans ban réservation voyage organisée par rapport à l'année dernière. Par ailleurs, selon Statistics Mauritius, plus que 97 000 touristes qui visitent Maurice en septembre 2023 compte environ 81 000 en 2022, ce qui représente une augmentation de 20,6%. Aussi, de janvier à septembre 2023, nos pays finissent enregistrer 901 126 arrivées, soit 41,2% plus qu'au cours même période en 2022. À noter que nos marchés touristiques dominés par la France, ensuite il y a le Royaume-Uni, la Réunion, l'Allemagne et que l'Afrique d'ici. Nous cause la santé à Stella, nous puis intéressons à la santé mentale. Chaque le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et thème qui finit retenir cette année-là, c'est la santé mentale, un droit humain universel. Et tout cela pour une bonne action pour favoriser et protéger la santé mentale tout du monde. Et le ministère de la Santé finance une activité dans l'auditorium Octavier d'en réduit dans le cadre de cette journée-là. Reportage. Nature l'existence humaine, l'effet qui s'acquène capable d'impacter pour ban aller à la vie, ban événement qui nous bise à surmonter et qui capable entraîne ban anxiété et ban angoisse, voire une dépression. Une bonne santé mentale est essentielle pour bien-être en général. Pourtant, un dimoun lo 8 dans le monde souffre ban problème lié à la santé mentale. Ban tabou qui freine nous dans recherche un soutien psychologique, d'où la volonté ministère de la Santé décentralise ce service, zot accessible même dans ban dispensaire. Pour une bonne gros pathologie, ben trop psychotique, grosse dépression et tout, mais il aussi concerne nos daily activities, comment lui dire, c'est le stress, management du stress, l'anxiété. Donc le ministère décentralise les services mentaux. Maintenant nous allons dans ban centre de santé primaire aussi. Donc si un diminué a un problème, il est capable d'un dispenser aussi, il y a un médecin qui peut regarder, s'il trouve les besoins un soin de santé mentale, que ce soit un psychologue, que ce soit un psychiatre. Donc, il pourrait faire aller.
Ban Sif PNT appelle ban autorité qui prépare actuellement un plan d'action national au santé mentale. Sa question-là fin abordée dans réduit pendant lancement activité dans cadre de journée mondiale la santé mentale. Plus qui 11% ban Mauricien fin faire l'expérience ban problème mentaux et près 80 000 dimoun final dans ban centre de santé pour ban problème qui relié ban chiffre qui fin connaît une hausse après pandémie. Statistiquement, nous connaît qui environ 10 à 11% de la population et n'a quelque part un petit problème ou bien un gros problème qui est lié avec ce fonctionnement moral et mental. Le ministère de la Santé, depuis plus qu'un an, travaille un action plan de la santé mentale. Nous avons beaucoup de services, nous faisons faire beaucoup de choses, mais nous avons une projection à long terme. Comment nous mettre l'accessibilité pour qu'ils nous récupèrent les gens qui ont un problème de la santé mentale bien bonnet. Ban autorité papé épargne aucun effort, stimulation magnétique transcrânienne est disponible dans l'hôpital Victoria. C'est un traitement fonctionnel pour la dépression. TMS, c'est une nouvelle technologie qui servit dans la dépression, l'anxiété et troubles obsessionnels compulsifs. C'est un traitement qui est donné dans un patient qui est résistant aux médicaments. Certaines études ont montré qu'il y a un patient qui pas d'améliorer sous médicaments, dans 80% de t'améliorer sous TMS. C'est une première, c'est le premier appareil TMS qui nous peut gagner à l'île Maurice, qui est installé à l'hôpital Candace. Une première dans, même, je pense, dans l'océan Indien. En termes de santé mentale, ça fait une grande différence. C'est une grande étape dans une bonne direction et qu'une forme de traitement non-invasif qui peut servir. Plusieurs les autres projets en voie matérialisation dans une application mobile au La Santé. De au moins 27 Zimoun Finmo dans effondrement un pan de colline, ça fin passé dans capitale Cameroun, Yaoundé. Nouvelle, l'étang Stella, situation générale, température minimale peut varier entre 16 et 18 degrés au plateau central et entre 20 et 22 degrés au la côte. Température maximale pour 1 à 2 degrés, supérieure à la moyenne, pour entre 24 et 26 degrés au plateau et entre 28 et 32 degrés au littoral. La mer pour faux pendant la nuit avec ban houle sud-ouest 2,50 m, sautier en haute mer, je déconseille à partir demain. Marée pour haute 23h05 et demain 12h10, pour bas 17h 47 et demain 5h38, soleil pour demain 5h42. Mesdames, messieurs, ça, on a la fin ici. Merci pour l'attention. Au revoir.